Donc là, les choses ont 48 jours. Il y a le soleil qui est un petit peu apparu après une grosse flotte. Et son coton. Donc là, on a la collier rouge. Ici, on a le mâle collier beige. À côté, on a la petite femelle collier verte. Par-dessus, on a la femelle collier marron. En zoomant un peu mieux, on verra mieux. Là, ici, on a Jalia, la petite femelle collier violet. Là, ils ont la frite, les bébés. Donc, ils sont tous allés dans le bac à balles, déjà. C'est une bonne chose, même s'ils ne sont pas spécialement fans. Mais voilà, le bruit, ça leur fait pas du tout peur. C'est pas... Voilà, pour eux, c'est bon, c'est intégré. Ah, les bébés ! Là-bas, on a la femelle collier violet. Toujours nounou Glover, bien sûr. Ça va de soi, c'est comme la balance, c'est bien intégré aussi. Donc là, c'est petit jeu tranquille, là, ce matin. Alors, bah alors, allez, viens, c'est bien. Allez. Allez, ma belle. Allez. Oui, c'est bien, ma poupette. Ça fait mal qu'on est violée. C'est bien, ma belle. La femelle collier rouge qui embête la petite verte. Glover, sors-toi. Je vois rien sinon. Petit mâle collier beige. Mâle collier beige et femelle collier verte. Hop là, bah oui, forcément, un plus petit gabarit est plus facile à mettre à terre. Ma femme se laisse pas faire du tout. Après, quand ça lui plaît pas, il sait se retourner. Ça fait mal le collier rouge qui est à l'intérieur. Ici, c'est parfaitement intégré et c'est impeccable. La femelle collier marron. La destruction, c'est parfaitement intégré aussi. Hein. Il n'y a pas eu besoin d'apprentissage. Ils font ça tout seuls. Faut pas être matérialiste. Du tout. Ça fait mal le collier rouge et le collier marron. Il faut savoir que le tunnel à la base n'était pas placé ici, donc c'est les chiots qui le déplacent. Donc ça leur fait pas peur. Voilà, comme là, ça leur fait pas peur d'avoir un gros bruit et un gros truc qui bouge. Ça aussi, c'est bien. Ça fait partie de la socialisation aussi. Là, ça fait mal collier violet. Collier marron, pardon. Verte. Ouf, pas décidément. Ouais, génial. Nounou Glover. Oh là là, elle laisse tout faire. Elle laisse tout faire, mais des fois aussi elle les remet un peu en place. Parce que mine de rien, elles ont tous quand même du caractère. Et comme c'est une très bonne nounou, elle sait aussi jouer avec eux, leur donner des bons codes canins. Et les codes canins, ça passe aussi par une remise en place. Pas que forcément dans le jeu.
là, on a la femelle collier violet et le mâle collier beige. Là-bas, on a la femelle collier rouge qui est dedans. La femelle collier verte qui joue avec la bouteille. Voilà, c'est jeu tranquille ce matin. Ça va. La femelle collier rouge. Hi, coucou ma belle. Femelle collier verte. Mâle collier beige.